Bienvenue, imprudent mortel. La dernière fois, j'évoquais avec vous l'histoire de la barrique de vin. Sans ambiguïté aucune, tout le monde, que ce soit sur YouTube ou Instagram, m'a désigné cette histoire comme fausse. Et devinez quoi ? Vous avez raison. Elle est effectivement fausse, et la première fois que je suis tombée dessus, mais j'y ai cru déjà parce qu'il n'y a pas de contexte, c'était dans le recueil « Les histoires de l'histoire de France ». Ce recueil, comme le nom l'indiquait, évoquait des anecdotes qui ne sont pas d'un grand intérêt pour l'historien classique, mais toujours amusantes, arrivées à des personnages historiques. Certaines sont exactes, mais, je dois le dire aujourd'hui, certaines sont en fait fondées sur des légendes. Vu l'époque de la rédaction, il est vrai aussi, peut-être aussi que l'autrice n'avait pas la possibilité de faire des recherches poussées. Toujours est-il que c'est en fait une légende urbaine qu'elle a rapportée en l'attribuant à Louis-Philippe, mais à l'époque, encore une fois, je ne le savais pas. Elle concernait l'un des fils de Louis-Philippe, qui aurait suggéré un soir à dîner de faire goûter à tous les invités un rhum qu'il avait rapporté de la Jamaïque. Sauf que ce n'était vraiment pas bon. Pourtant, le prince était absolument persuadé d'avoir apporté du rhum de qualité. C'est en inspectant les tonneaux qu'on comprit ce qui n'allait pas. Il y avait des cerveaux qui baignaient dedans. Mais que s'est-il passé? Eh bien, ce prince avait embarqué pour explorer, pour un voyage d'exploration quelques années plus tôt, et avait emmené avec lui un vieux savant distrait, absolument ravi de pouvoir, entre autres, comparer les cerveaux des populations locales, car c'était en Amérique du Sud donc, et européennes. Il aurait s'agi d'un fervent défenseur de la phrénologie, c'est-à-dire cette pseudo-science qui attribue des bosses de certaines qualités ou de certains défauts visibles à la surface du crâne. Donc, s'il tombait sur un adversaire de l'armée française fraîchement décédé au combat et qu'il s'agissait d'un autochtone, notre homme se faisait un plaisir de le disséquer et de conserver les organes dans de l'alcool. Il aurait fini par se retrouver à court de formol et confondu les précieux tonneaux de rhum du fils de Louis-Philippe avec un alcool de moindre qualité destiné à la consommation de l'équipage. Il avait ensuite oublié les cerveaux à l'intérieur à l'arrivée en Europe. Et voilà comment le fils de Louis-Philippe aurait servi à tout le monde du rhum de cerveau. C'est amusant, mais pas vrai. Je commençais à avoir des doutes en effet sur cette histoire quand, dans l'émission Légendes urbaines, donc, celle-ci avait été rapportée. Elle était exactement telle que je vous l'ai dite moi-même, c'est-à-dire en plaçant dans le contexte d'un restaurant tenu par un couple américain qui avait une trattoria, où là au contraire, le vin était délicieux, mais qui aurait eu la mauvaise surprise d'y trouver, de manière spectaculaire, devant des caméras, comme je l'ai dit aussi, un cadavre humain entier par contre. Or, cette histoire, on nous expliquait qu'elle était fausse. J'ai aussi eu l'occasion de lire des choses à son sujet dans un de mes livres sur les légendes urbaines. Il s'avérait qu'elle est, comme parfois, extrêmement ancienne. Le plus vieil avatar serait celui de pilleur de tombes d'Égypte, donc remarquez la punition qui s'ensuit, les pilleurs d'une pyramide, donc, qui tombent sur un tonneau de miel. Ravi, car il paraît qu'il est excellent, il le vit jusqu'à la dernière goutte, et ne remarque à ce moment-là le cadavre d'un singe qui est au fond. Notez aussi que dans la version que j'ai rapportée, la victime pourrait très bien avoir été celle d'un crime qui était caché dans le tonneau. Mais ce n'est pas toujours le cas. Il existe une version qui, elle, se passe en Écosse. Un couple hérite d'un vieux château, après la mort du grand-père de l'époux à qui il appartenait, et il trouve effectivement, eux aussi, une grande barrique de vin dans la cave et n'arrive pas à la bouger tant elle est lourde. L'un des ouvriers suggère de boire son contenu pour la rendre plus facile à bouger. Le vin a un goût particulier, mais apparemment ça passe.
Les ouvriers se remplissent quelques bouteilles pour en emporter chez eux. Puis, quelques jours plus tard, le couple décide de donner une fête de pendaison de crémaillère et sert le vin qu'ils ont trouvé dans cette barrique. À la fin de la fête, elle est vide. Des amis restent pour aider ce couple à tout nettoyer. Et bizarrement, la barrique est encore difficile à bouger à cause de son poids. La suite, vous la devinez, je crois. L'époux fait sauter le couvercle et il découvre, encore une fois, le corps d'un vieillard à l'intérieur. Il découvre ultérieurement qu'il s'agissait de son grand-oncle. Mort des années plus tôt en Jamaïque, lui aussi, sa femme avait voulu préserver son corps pour le ramener en Écosse. Le corps aurait été préservé de la décomposition dans le vin. Sauf que... pourquoi l'épouse ne l'a ensuite pas enterré? Ah oui, bonne question. Donc cette histoire n'est pas plus vraie que l'autre. Commentaire, moi aussi, fait part d'une version impliquant un singe avec un baril de whisky. Pour d'autres, c'est du rhum, mais j'ai retrouvé la trace de cette histoire-là. À savoir des livreurs emmenant des barriques de rhum, donc, ou de whisky, à une université. L'un se rend compte qu'il y a du rhum dans le baril, ne peut résister au fait d'en boire. Et en quelque sorte, son vol est puni. En effet, le baril était destiné à un professeur d'histoire naturelle, qui l'ouvre devant les livreurs et leur montre le corps d'un grand singe à l'intérieur préservé dans l'alcool. Ce qui aurait découragé les livreurs de jamais boire à nouveau. Enfin, une brasserie des États-Unis se serait montrée malhonnête en achetant de la bière à bas prix de pays étrangers. Oh, l'étranger, la malhonnêteté, mon Dieu que c'est mal, la suite vous la devinez. Alors qu'il recevait les fûts de bière comme d'habitude en bateau, et que on était occupé à la drainer depuis les cales du bateau jusque dans des barriques, les tuyaux se sont bouchés. Les ouvriers trouvèrent une vieille botte prise dans le tuyau, puis découvrèrent carrément le corps mort d'un marin flottant dans la bière, qui avait été assassiné. Ses mains avaient été coupées pour qu'il ne puisse pas s'échapper ou même nager hors de l'immense cuve de bière dans laquelle il avait été jeté. Mais il était trop tard pour empêcher que la bière déjà tirée de là ne soit pas mise en bouteille et mise dans les magasins. Le scandale aurait été éventé et la brasserie aurait fait faillite. Entre parenthèses, donc bien fait pour eux. Et comme toutes les histoires à morale, c'est pas plus vrai que l'autre. Donc, si l'on vous compte l'une de ces variantes un jour ou l'autre, vous saurez qu'elle n'est pas vraie. Félicitations à tout le monde. Maintenant, saurez-vous, je crois déjà savoir que certains connaissent la réponse, mais tout de même, saurez-vous deviner si l'histoire de deux hommes piégés chez eux est vraie? Sachez en effet que je ne vais pas parler d'hommes qui ont été piégés chez eux de la même façon, encore qu'il y a une ressemblance, que Louis de Thys, cette histoire vraie que j'ai racontée il y a 3 semaines. Non. Ceux qui je fais allusion sont deux Américains, des New-Yorkais même. Et en fait, ils seraient morts, en quelque sorte, dévorés par leur propre collection. Enfin, si l'on peut appeler ça une collection. 2 choses. D'abord, savez-vous ce qu'est le syndrome de Diogène? C'est une maladie dont souffrirait une part assez élevée de la population, maladie mentale, j'entends, et dont ceux qui en souffrent sont souvent dans le déni. Mais pour les autres, ça leur saute aux yeux et aussi aux narines dès qu'ils vont chez eux. Ce sont des personnes qui entassent toutes sortes d'objets dont ils n'ont pourtant pas besoin jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus circuler chez eux. C'est pas seulement comme des collectionneurs, c'est plutôt au point que cela menace leur santé et celle des autres. Quand il s'agit d'animaux vivants, on appelle ça le syndrome de Noé, mais j'ai peut-être pas besoin d'expliquer pourquoi c'est mauvais pour les animaux de compagnie. Pour ce qui est des objets, au mieux, parfois ce sont des objets ordinaires, c'est juste que, à la fin,
c'est difficile pour les gens, comme je disais, de circuler chez eux et d'y faire le ménage. Au pire, ce sont des personnes qui ne sortent plus leurs ordures, voire ramènent chez eux celles des autres, comme s'ils y voyaient des trésors. Et là, je pense que j'ai pas besoin d'expliquer pourquoi c'est dangereux pour leur santé. Les maisons en deviennent vite totalement insalubres. On parle de syndrome de Diogène parce que Diogène, le philosophe du même nom, était aussi un mendiant qui vivait dans un tonneau. Mais en fait, il n'avait pas beaucoup de possessions, c'était juste qu'il était réputé être très sale. D'autre part, vous voyez cet épisode des Simpsons dans lequel le proviseur Skinner disparaît pendant quelques jours, sans que personne ne comprenne où il est passé. Et en fait, il s'est retrouvé sous une pile de vieux journaux dans son garage qui s'est effondré sur lui. Il n'a pas pu se relever pendant quelques jours. Donc il suffisait de le chercher dans son garage si on y avait pensé. Eh bien, il est possible que ce congé soit arrivé pour de vrai, mais cette fois-ci, personne n'a survécu. Cela se passait à New York. Deux frères qui étaient issus d'une famille plutôt aisée, l'un né en 1881 et l'autre en 1885, très proches, et qui, en 1909, emménagèrent avec leur famille dans une grande maison de Harlem, sachant qu'à l'époque, c'était encore un quartier riche. Après la mort de leurs parents, et après avoir eu des carrières brillantes, les deux frères qui étaient restés célibataires habitaient toujours Harlem. Mais ils n'aimaient pas trop la façon dont le quartier s'était mis à tourner après les années 1920. Les loyers avaient baissé, et des familles pauvres, afro-américaines pour la plupart, étaient venues s'y installer. Les deux frères se méfiaient de leurs nouveaux voisins et ils ne sortaient plus que rarement chez eux après leur retraite. Pire, l'un des deux frères avait eu un AVC qui l'avait laissé aveugle et paralysé. Il ne pouvait donc pas sortir de son lit. Enfin, les deux frères avaient une tendance à la collection, le syndrome de Diogène dont je vous parlais. Son frère cadet avait une étrange habitude de garder tous les journaux auxquels son frère aîné avait été abonné. Pourquoi faire, puisqu'il ne pouvait plus les lire? Eh bien, c'est joli, hein, vous verrez. Il avait l'espoir que son frère guérirait, et qu'une fois qu'il ne serait plus aveugle, il voudrait lire tous les journaux qu'il avait manqués. Ça partait d'une bonne intention, mais la suite, vous la devinez. Chez eux, c'était devenu vraiment très encombré. De plus, et comme souvent pour ceux qui souffrent de Diogène, ces deux frères voyaient une valeur bien supérieure à ce que ça valait donc vraiment à leurs affaires, et étaient donc persuadés qu'on viendrait pour les leur voler. Eux aussi avaient piégé leurs intérieurs, mais peut-être pas de façon aussi élaborée que l'aurait fait Louis de Ty. Toujours est-il qu'en 1947, le service des impôts fut prévenu que ces deux frères ne payaient plus rien, plus aucune cotisation. Évidemment, à l'époque, il fallait sortir pour poster une lettre pour payer ses cotisations. Or, ils ne sortaient quasiment plus, comme je l'ai dit, sauf peut-être pour faire les courses. Comme souvent dans ces cas-là, on envoyait la police sur place pour investiguer. Les voisins dirent qu'ils n'avaient vu personne sortir depuis des jours, mais c'était pas très étonnant venant de la part de ces deux frères, vous en conviendrez. En entrant, les policiers furent assaillis, c'est qu'elle veut dire, par l'immense collection des deux frères. Ils appelèrent, personne ne répondit, et puis finalement, tiens, ils tombèrent sur le frère aîné dans son lit, mort. Semblait-il de dénutrition. Et bon, il eut des doutes, se dire, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que son frère l'a tué? D'ailleurs, où est-il? Eh bien, on ne put le trouver. Est-ce qu'il s'était enfui? On évacua le corps du frère aîné, puis les policiers entreprirent de vider la maison pendant des jours et des jours. Jusqu'à ce que, 18 jours plus tard pour être précise, accrochez-vous, on trouva le cadavre du jeune frère sous une pile de journaux. Que s'était-il passé? Hélas, c'était facile de deviner. Comme je l'ai dit, l'aîné des deux frères était paralysé. Donc, pour qu'il puisse manger, il fallait tous les jours que son frère lui apporte ses repas au lit. Et c'est vraisemblablement ce qu'il avait été en train de faire.
Mais également, ce jeune frère avait complètement oublié sans doute aussi la présence d'un de ses pièges. Il avait donc fait s'effondrer sur lui une pile de journaux qu'il avait tué. Son frère avait sans doute dû entendre le fracas, mais n'a pas pu se lever de son lit. Étant aveugle, il était difficile de remédier à la situation. Et voilà comment il était mort de dénutrition dans son lit. Mais toute cette histoire est-elle seulement vraie? Je vous laisse me le dire dans les commentaires. Pas besoin de longs discours, vous pouvez juste dire vrai ou faux. Ou alors, vous pouvez aussi voter sur Instagram, le lien est en description. J'espère que cette histoire vous aura intéressé, donne rendez-vous la semaine prochaine. Si vous voulez me soutenir, voyez le lien en description de Tipeee et du Coffee. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, de commenter et de regarder sous votre livre à l'antenne de la lumière. Au revoir, imprudent mortel.